Guía 3, tercer nivel básico. Asignatura matemática. El profesor Oscar Olmazábal Soto. Ça, c'est guía 3, qui c'est évaluation pour tout élève qui n'a tercer nivel básico, quel que soit un A, quel que soit un B. Pour capable répondre avec Yassa, on va mettre nom, classe là et puis date là. Pas oublier que classe là très très important. C'est avec classe là pour identifier si on a A, si on a B. Là, et finir avec Yassa et puis nous voyons by professeur à travers email qui c'est oscal.olmasaval. N'a écrit email là bien. Si vous n'avez pas à voir sous email, vous êtes capable de venir dans le lycée. C'est un examen mathématique pour tel seul niveau basique qui est très très important. Tout ça, c'est choix multiple. On allait dans question 1 pour nous voir qui ça lié là-dedans. Question 1, yo, dis-nous que la différence de 20 menor entre parenthèses menor 5. Et si vous faites l'équation ça, combien là-bas ou? Combien là-bas ou? Eh bien, vous marquez le résultat là. Il faut que nous mettons attention sur ça. Prenez attention. Lorsque nous gagnons moins, pour moins, là, nous avons une multiplication moins par moins, là-bas ou plus. Moins par moins, bon, plus. Qui donc là, et nous gagnons c'est 20 plus 5. Là, nous avons choisi qui résultat le bail. Tout le monde connaît qui ça, 20 plus 5 bail. OK? Nous avons choisi ça qui est bon. Soit par un quoi, ou bien nous encercler. OK. Dans la question D, il dit que la somme de 120 masse, entre parenthèses, menos 6, et bien qui ça là-bas? En règle, lorsque nous disons. Là, nous te dit c'est moins par moins là-bas plus. Eh bien, là, moins par plus par moins là-bas ou moins. Là, c'est 120 moins 6. Eh bien, combien il y a? On va marquer réponse là. Question 3. Il dit que on va trouver valeur qui bonne expression ça. On va faire expression ça pour trouver réponse là. C'est un petit exercice qui est très facile, basique. Nous avons fait ensemble et puis nous mettons résultat, nous choisissons résultat qui est bon là. Ainsi de suite, tout ça, c'est très facile. Tout ça, c'est très facile. Moins 10, hein, plus 10, qui, combien de barreaux? OK. La question 6 là, je dis que. Quoi de la seconde phrase non c'est rationnel con il numéro menos 32. Qui ça yon qui n'est pas relationné avec moins 32? Par exemple, il dit que ça, il y a un submarin qui trouvait lui, il y a un sous-marin qui trouvait lui à 32 mètres en bas la mer. En bas. Depuis en bas, nous avons un négatif. Ça lui relationné. Hein? Il dit que il y a un mathématicien, ça, il fait dans l'année 32 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, nous connaissons date yoté, et c'était moins si yoté. Yoté commencé, ça veut dire, ou absorti dans gros pour venir dans pipiti. Comprenez? Qui donc, nous allons les relationner avec ça. Okay? Il dit que il y a une température, la température est de 32 degrés barre Celsius. Tout ça, c'est négatif. Thermomètre là, lui-même, il est marqué 32. Ça, nous avons le positif là. Nous avons qui ça qui pas relationné avec moins 32. Nous avons choisi ça qui est correspondant. Okay? Nous avons allé dans la question 7 là. Question 7 là, il parlait de sous-marin et des flottes navales qui descendent jusqu'à 50 mètres en bas la mer, et puis après les montées 20. S'il était 50, s'il était descendu 50, après les montées 20, eh bien, 20 moins 50, combien il était? On a choisi le résultat là. OK? Mais,
Lis toujours en bas la mer, ok? Lis toujours en bas la mer. On a choisi résultat là, ok? Et il a dit que rencontrer différence entre moins 5, moins 6, qui donc, et nous connaît lorsque nous gagnons moins, et moins, par moins, libre plus, mais ça là, c'est moins, et puis dehors là, les en moins encore. C'est un exercice qui est très facile pour nous capables de faire. C'est seulement choix multiple. Nous pas écrit en rien. Nous pas faire développement. Seulement choix multiple. Tout ça là très facile. Très facile. Je dis que somme des dos enteros qui tiennent un signe négatif, qui s'allient n'a seulement choisi si c'est petit A, si c'est petit B, si c'est petit C. Okay? Et tout ça, c'est une chose qui est très facile, très facile. Nous parlons de la somme des trois C, masse entre les parenthèses, minus 8. Nous avons choisi le résultat là. Nous prenons un papier blanc et puis nous mettons pour nous capables de résoudre. Seulement choix multiple. Pas développer un lien dans ce là. OK? Et tout ça, c'est une chose qui est très facile. Côté nous, bah, une explication encore, c'est ça qui. OK, on allait dans le numéro 16 là. Numéro 16 là dit que l'inverse additif. Inverse additif là, c'est un numéro qu'on a cherché pour nous plus les pas numéro ça y a noir pour égal à 0. Eh bien, si vous avez moins 7, ou besoin de joindre 0, qui numéro vous associé avec moins 7 qui pour 0? C'est très facile. C'est ça qui est l'inverse additif. Et ça, c'est très facile. Ça, on a présent ensemble, ça, numéro ça. Il y a un qui ne correspond pas avec numéro négatif. Il y a un ça qui va négatif. Petit bagaille, jouette net. Non, moins 6, moins 2. 4, 8, moins 2. Gen yon nan yo ki pa negatif, sa ve di ki pozitif. Eme ki sa liye. Nap make la. Ok? La, yo di ke apre nou fin monte nan 6e etaj, nan yon asanseur, e bi asanseur li retoune nan 5e etaj, e bien, nan ki etaj li soti? Tre kler, tre simple. Ça, c'est addition, soustraction, très simple. OK. Là, pour finir, il y a un inverse additif encore. Ça veut dire qu'on a besoin d'un numéro pour nous associer avec moins 18 qui pour bas au 0. Vous comprenez? Eh bien, qui numéro la pierre? Sans j'aime dire non, inverse additif là, c'est un numéro pour associer avec ça au bas qui pour égal 0. Moi, j'espère que la vidéo ça a été servi, non? Moi, je vous souhaite tout bon travail, bon succès.